Je salue la communauté chrétienne de la Guinée, de l'intérieur à l'extérieur et du monde entier. La communauté chrétienne, je vous salue. Bon, sous ces lambassés, comme promis, Muslimina Ramouni Mesama. Muslimina. Il n'a rien barré à Muslimina. Il mourra, oui. Mais ma wali la pama. On nous kafiri ke wali mani. On m'a nommé fini de mon équilibre. Professeur Alpha Condé, salam alaykoui de Nara. Isoufi, billah wallah tallahi, muslimi nantana, je suis croyante. Et mon gouina mego, maintenant gouina ti mene befa, inafan tourne, la Guinée est tournée. Mais je suis un homme qui a été un homme. El Bachir Bari. Salam alaikum. Je suis dessus des cadres malhonnêtes de la Guinée, une fafi andi na masindito. Mais maintenant, il faut demander ma marche arrière na na bafi sindi. Le colonel Mamadi Doumbouya et abonné ma page ma fa fi tout le matin. Pour vous dire que même moi j'ai affaire avec quelqu'un, on est en combat. Physiquement sur le champ de bataille, je vous donne le conseil. Oui. Je suis croyante. Je suis une femme noble, venant de deux familles royales. On m'a dit de vous approcher. Hier, avant-hier, je vous parlais du Kirdi Bangoura. Aujourd'hui, j'ai le dossier un peu sévère, presque très sévère. Mais je vais quand même repasser un peu seulement Kirdi Bangoura et Kirdi Lambe Mouye. Oui, Chandu, c'est ma filinerie. Je n'ai pas fini de parler de Kirdi hier. La preuve sera tombée après la vidéo. Et Mamadi Doumbouya, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, là, il m'a dit, quand Kirdi s'est fait exprès se promener en ville le jour du coup d'État, un homme qui travaille dans la présidence, tout le monde doit réfléchir à ça. Il a entendu, il a écouté les radios, Comment lui peut se promener en voiture ce jour-là, en plein de la ville, jusqu'à ce que les forces spéciales arrêtent Kirdi Bangoura? C'est un poison. RPG. Les RPGistes. On a compris, moi-même, je peux témoigner, ceux qui sont fidèles au professeur Alpha Condé sont connus aujourd'hui. Les malhonnêtes sont connus aujourd'hui. Oui.
Mais Mamadi Doumbouya, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, quand vous avez arrêté Kridi ce jour-là, il ne fallait pas le laisser. Sinon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya allait comprendre beaucoup de choses. Oui. Oui. Colonel Mamadi Doumbouya. Professeur Alpha Condé a fait l'interview. Quand j'ai parlé ici que toujours la Guinée fabrique des présidents, c'est les malhonnêtes qui viennent entourer les présidents. Tout le temps, la vérité de Sossé Lambassi s'affiche. C'est le même Kridi Bangoura encore. Comment Kridi Bangoura peut se proclamer indigne comme Kridi, se proclamer RPGiste encore, il travaille avec pour le CNRD qui a les commandes contrat aujourd'hui pour les t-shirts de la fête de Chosegui et l'indépendance. Je vais lancer la preuve aussi pour comprendre combien de fois les malhonnêtes là sont dans toutes les coordinations en Guinée. Il faut leur bannir dans notre pays, la Guinée, pour que la Guinée aille sur les bons chemins. C'est le même Kridi. C'est le même Kridi. Le nom Kridi n'est pas porté sur lui parce qu'il était orphelin. Non, il a pris ça. Il a pris ça sous l'arbre Kiri au 3e avenue là-bas. Les gens de là-bas connaissent. Bon, Mamadi Doumbouya, j'ai écrit aujourd'hui que BSGR rappel de la cour a été ouvert aujourd'hui à Suisse. Mamadi, quand le coup d'État là est venu, c'est le péché des enfants qui t'a trimballé tout ça là. Dans tout ça là, il faut éviter le péché de ton prochain. Tu as tout fait. Commandant Ali, tu lui as traité de tout. Toi, tu es dans la joie aujourd'hui. Ce que j'ai dit, tu as été surpris de ce coup d'état-là. Oui. Le président Alpha Condé a fait l'interview. Les gens peuvent tirer beaucoup de mes paroles, beaucoup de mes déclarations dans son interview. Idi Amin était épargné. Il ne faisait même pas partir. Il ne faisait même pas partir. Les enfants ont pris le professeur avec un respect absolu. Être sectarisme, être ethno, être régionalisme, ça ne peut pas avancer le pays. Quand ils t'ont fait venir, professeur Alpha Condé, il ne voulait pas. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui dans son interview, qu'il ne savait pas. Colonel Mamadi Doumbouya, si tu étais
un lisonnel, il n'allait pas t'accepter. Ça, c'est un gros mot. Ça, c'est un gros mot que le professeur Alpha Condé a utilisé. Mais comme le système était ethnocentrisme, c'est le système de Kouyaté, là où Amara, colonel Amara fait partir, là où Idi Amin fait partir, là où Kabine Koumara fait partir, là où Serouba Konaté, général Serouba Konaté fait partir. Pour vous dire la preuve palpable, Mamadi Doumbouya, je vais te dévoiler beaucoup de choses aujourd'hui. Il fallait écouter commandant Ali. Oui, il ne fallait pas lui faire de mal. L'arrestation a commencé sur un orphelin de père et mère, capitaine Souleymane Bangoura. Aujourd'hui, tu as rappelé TKK, lui il est descendu. Tamba Kekura, lui il est descendu encore de l'intérieur. Tu l'as rappelé, il est revenu encore, il est là-bas. Nos frères, nos fils, eux, ils souffrent. Colonel Mamadi Doumbouya, il fallait écouter les conseils du commandant Ali. Mais c'est Serouba même qui t'a dit d'arrêter les enfants là qui ont arrêté le professeur pour toi. C'est Serouba qui t'a dit. Ça, c'est un. Et prends le bic, vous écrivez un à un ce que Sossé Lambassi vous donne comme nouvelle. Parce que je vais dévoiler beaucoup de secrets pour toi aujourd'hui. Un peu. Je vais leur toucher un peu. Moi, c'est le professeur qui est mon témoin. Quand vous avez donné l'ordre à ce que les enfants aillent prendre le professeur Ali, c'est entêté. Tu le sais, je l'ai sûrement dit. Mais c'est grâce à commandant Ali, professeur est en vie de 5 septembre jusque-là. Il a protégé sa vie. C'est Dieu qui va le payer pour ça. Mais dès qu'il a quitté un peu à côté de lui, ce qui s'est sorti, le monde a vu ça. Votre dégât commençait là-bas. Ali ne faisait pas partir de l'ordinateur portable du professeur Alpha Condé. Il ne s'est pas occupé des dossiers. Il y a des gens qui étaient nommés dans la présidence qui ont été nommés encore ailleurs comme Ibrahim Khalil Kaba. Quand il a été nommé au ministère des Affaires étrangères. Mais Ibrahim Khalil Kaba n'a pas pris ses archives dans ses oubliés. Donc vous étiez chaud. Mouktar Kaba a fait un autre boulot que tu n'as pas compris. L'ordinateur que tu cherchais, que ils t'ont poussé à accuser commandant Ali, Billahi, Bil Quran, c'est pas commandant Ali qui a pris. Je te dis la vérité. Ibrahim Khalil Kaba a payé une forte somme, le fils de Saran Daraba, pour avoir les archives là. C'est eux qui étaient là-bas, à Saint-Boulia. Pour combien de jours? Les corps aussi étaient là-bas. Donc, eux, ils faisaient sortir. Le GIF qui avait le problème entre lui, le cas de Mamadi Touré, qui s'est surnommé Mamadi Konté, celle qui n'a jamais été la femme du feu président Lansana Konté. Alayarham.
eux tous connaissent. L'ordinateur là, Mokhtar Kaba aime l'argent. C'est eux qui ont fait sortir l'ordinateur. Ils ont pris d'abord le truc DSP. Le GIF a tout eu parce que ils étaient en négociation à ce que Alpha, le côté de Alpha, la présidence, laisse tomber tout. Le GIF aussi laisse tomber tout. Mais le GIF voulait des papiers, du témoignage à ce que le professeur lui donne ça. La première somme que vous avez demandée, Ibrahima Khalil, je peux le dire. Vous avez demandé la première fois $1 milliard. Il a dit non. 1,5 milliard. Vous êtes descendu à $500 millions. C'est en ce moment-là, l'argent est descendu jusqu'à $250 millions. Écoutez-moi très bien, Mamadi Doumbouya. Je vous donne des secrets d'État comme ça. Je vous donne des secrets d'État. Parce que moi, je suis une femme d'État. Ne me voyez pas voilée. Je suis une femme d'État que je vous annonce aujourd'hui. Que vous allez découvrir bientôt, Inch'Allah. Mamadi Doumbouya, toi tu étais occupé du pouvoir. Tu étais rempli de joie d'avoir le pouvoir. Mais les dossiers importants des hommes qui ont la tête cherchaient les documents. C'est le même que le professeur a tout fait. Raison pour laquelle un jour, j'ai dit dans une de mes vidéos ici, j'ai dit, il y a des choses, quand je parle, les RPGistes seront étonnés. Na RPG, oui, qui n'a pas de un malhonnête cadre de ce pays. La seule personne qui ne laissait pas ses papiers, ses archives dans le bureau, c'était le chat millionnaire, Dr Diané. Oui. Mais Ibrahima Khalil Kaba, c'est leur mafia avec Spartacus Mokhtar Kaba qui ont fait sortir l'ordinateur dont tu cherchais. Et l'ordinateur, le DSP était sorti. Mais sauf à l'arrivée de Idi Amin en Guinée, son rentrée en Guinée, il a donné l'ordre à la personne missionnaire de sortir. Il a été protégé à l'aéroport jusqu'à ce que l'ordinateur du président Alpha Condé est sorti. Parce que quand le coup d'État est venu, Mamadi Doumbouya, je peux te signaler quelque part que je viens de regarder dans notre site secret. Là où tu as reçu quelqu'un le beau matin, la première visite, d'où vous parlez, où est la liste? Vous vous souvenez? Où est la liste pour faire les nominations? Pour vous dire, je te donne signe. Tout ce qui s'est passé au palais Serotouria, on a la vidéo. C'est là-bas, s'il vous plaît, encore. C'est Idi Amin là qui ont fait sortir
les dossiers d'État secrets du professeur Alpha Condé. Parce que c'est le clan de l'Ansana Kouyaté qui sont venus t'entourer. La première personne, c'est Général Serba Konaté. C'est mon frère, je ne l'accuse pas. Il me connaît. Moi, je ne pardonne pas mes frères. Vous ne voyez pas? Pour t'approcher avec les dealers de drogue, c'est Idi Amin. C'est sa négociation qui t'a fait comme ça avec les leaders de drogue. Je vous donne des points. Tu as accusé Mamadi Doumbouya, commandant Ali, qu'il a pris l'ordinateur du professeur Alpha Condé. Billahi, wallahi, tallahi, la vérité là aussi sortira comme ça. La manière dont Spartacus a pris l'ordinateur, les dossiers importants de la présidence, les dossiers d'État derrière le président Alpha Condé, jusqu'à ce qu'ils ont mis dans les mains de Ibrahima Khalil Kaba, le fils de Salam Dalaba. C'est le dossier là dont tu cherchais. Toi tu étais rempli de joie, de pouvoir. Mais il y avait des hommes qui cherchaient des secrets, dossiers derrière président Alpha Condé. Son frère, il n'est pas mon ennemi. Je vous ai toujours dit, Alpha n'est pas mon ennemi. Je l'ai conseillé, il n'a pas écouté. L'amour de mon pays, je ne laisse pas pour personne. Même mes frères de même sang. Même les, je ne leur pardonne pas. C'est le même combat qui est entre toi et moi aujourd'hui, Mamadi Doumbouya. Voilà les hommes qui t'ont trahi. Voilà les hommes qui t'ont trahi. Voilà les hommes qui t'ont trahi. Pourtant, il y a des parties que je vais laisser d'abord. Ça, professeur Alpha Condé, je n'ai rien à faire avec vous maintenant là, pour le moment. Non. Parce que le coup d'État, la manière dont nous voulons que ça arrive pour la paix de notre pays, que les Guinéens sortent de même porte, rentrent de même porte, tel n'a pas été le cas. Oui. Les dossiers dont les avocats, aussi les plaintes, les rapports dont les avocats portaient contre leurs amis, les gendarmes, les policiers, des rapports contre leurs amis. Vous savez, on a tout. Nous, on a tout vu ça. C'est pour cela que j'ai écrit ce mot-là. Je suis dessus des cadres malhonnêtes de la Guinée, venant de toutes les coordinations. Oui. Mais le coup d'État, la déception globale du professeur Alpha Condé sort de la Haute-Guinée. Si Alpha était une vieille facture, mais il a été peinturé et renouvelé, donné à la nation guinéenne. La trahison d'Alpha Condé sort de sa communauté d'abord. La trahison du professeur Alpha Condé sort de sa communauté. Quand je parle, j'ai larmes
aux yeux, Kiridi a été le premier pion. Kiridi est avec Serouba Konaté. Amara, colonel Amara, et Mouktar Kaba, et l'autre, Aboubakar Sidiki Kamara, général Aboubakar Sidiki Kamara. Voilà les hommes qui travaillaient pour Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté, tu as fait à Lansana Kouyaté, paix à son âme, l'ex-président de la Guinée. Il n'y a pas ce que tu n'as pas fait. Tu as joué sur Alpha. Mais tu n'as pas fait Alpha. L'échec d'Alpha Condé a joué sur moi-même. Ça a joué sur toute la nation. Pas les leaders politiques d'abord. Eux-mêmes, ils ont senti. Raison pour laquelle la femme noble Sossé Lambassi, dès que moi j'ai compris l'échec là, Mamadi, je me suis arrêtée ici avec mon hijab rose. Ce jour-là, j'ai fait ma déclaration. Je me suis retirée. Je me suis retirée. Quand j'ai dit ici le coup d'État là n'est pas un coup d'État de vous, le cri est sorti. Tout ce qui sort de ma bouche, je suis une femme noble. Je ne vous dis que, je ne vous donne que les quatre vérités. Que ce soit des mois, des années, des semaines, des heures, ça sortira comme ça. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont partout. Ce Mohamed Traoré, avocat, les rapports dont vous faisiez contre vos amis, on a tout. Ceux qui ont voulu du compuré du professeur d'Alpha Condé et les dossiers d'État, c'est eux. C'est Mouktar qui a fait sortir Spartacus. C'est lui qui a fait sortir. Parce que le chéquier de la présidence, la première personne qui signait ça, c'était Dr Gianni, le chat millionnaire. Après lui, c'est Ibrahima Khalil. Quand ils ont fait sortir Ibrahima Khalil de la présidence Serro Touréa, c'est l'ex-ministre là qui avait sa langue. Il a une grosse langue remplie de sa bouche là qu'on ne peut même pas comprendre ses paroles qu'il veut, les mots qu'il veut prononcer deux fois. Il disait Toshene, Toshene, Sangari. Sangari qui signait l'échec de souveraineté. Mamadi, je te donne des points et des points. Ibrahim Khalil Kaba, vous avez trahi. J'ai toujours dit, ta maman n'est pas PDG et RPG sans. Haya Sarandaraba, c'est un PDGiste. Ta maman ne fait pas partie de l'RPG. Elle venait se colorer. Elle est de PDG. S'il s'agit de l'intérêt du PDG, elle va rejoindre Lansana Kouyaté. Oui. Vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Mais toi,
mon Méditerranée. Vous êtes en prison aujourd'hui, docteur Diani. Mais le regret là, on se bat aujourd'hui pour que vous sortiez là-bas. Mais le regret, vous avez ça consciencieusement. Docteur Diani et Thibaut Camara. L'homme malchance à tous les présidents. Depuis feu président de la Sanakontala Yaram, Dadis, c'est un porte-malheur qu'on a beaucoup signalé au professeur Alpha Condé, il n'a pas compris. C'est comme nous, c'est Fanyamo Malama. Fanyandou Girima Bangina, Mohanem Marouloni, Ramamre Loumé Massegari Rane. On a ce soir Tungonaki, on a un Kanyama. Mohamed Diani, avocat Mohamed, Traoré, Haram Tari, Haram Tari, Haram Parantani. Oui, Yamfanteya n'a qu'un sourd, femme à Boudara. Barou Biramana Bouri, la promotion, bolus. Je vous conseille de continuer à votre courage, votre sérénité. Demain, vous serez les avocats brillants pour ce pays. Moi aussi, c'est Colomb. Aura dossier, moi je parle avec des personnalités. Mon besoin gourma nga fin de fin wala wata di 50 personnes so se di yo maninke yo foule yo forestier yo kuniaka o se se mo dossier so ko ni je parle avec des personnalités Mohamed Traoré avocat le fils de Bonoro Gawal tu as trahi le barreau guinéen. On va faire un dossier, ça dit, bili bili, tu m'as fait ce mouvement. Anni Luna la ranga. Au professeur Yann Fahane. Kiri. Quand même, docteur Diani, tu portais confiance à Tanisa. Là. À Tanisa. Barou. À Tanisa. Professeur Waron Fénanar, mais Diani ni Sana. C'est la dernière minute, Diani a compris que tu es un Traoré de Fouta Diallo. Mandin Diallo, Fouta Diallo. Mandin Fou, Mandin Tang. Tu fais partout de ça. Tu n'es pas malinqué, tu n'es pas peur. Il a compris, docteur Diani a compris ça. On a tes écrits. Et puis tu aimes beaucoup écrire. Mais je peux te lancer un défi. Tu ne peux pas faire le rapport. Je te lance un défi. Une femme illettrée te lance un défi, Mohamed Traoré, le fils de Bonoro Gawal. Tu ne peux pas faire le rapport. Un rapport, tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas de maître. Tu n'as pas de maître. Tu n'es qu'un jumper. Ton premier maître, c'est grâce à Madame Souma, la sœur de Aissatou Pounchou, Djenabou, qui t'a mis dans le cabinet de Maître Nir. Tu n'as pas bétonné ton travail là-bas. Tu as quitté. Grâce à Sekou Koundouno, tu es allé chez Maître Kabele, Maboudou, Koya Lambassi,
tu as quitté là-bas parce que tu as trouvé là-bas un nommé Ibrahima Sori Kamara Obangura qui fait partir de la promotion Boris. Pour te dire que Mohamed Traoré, votre danger s'est parti jusqu'au bout. Mais pourquoi tu fais partie de cette CNT? La loi que vous-même vous avez écrite avant l'arrivée de Serouba Konaté, c'était président Dadis. Vous avez commencé à écrire la CNT. Tu faisais partie. Pourquoi tu es là à contredire encore? Pourquoi tu ne fais pas face au colonel Mamadi Doumbouya? Ou même le dire, le faire venir face à la vérité. Contredire l'erreur qu'il veut tomber. Tu n'as pas fait ça. Parce que vous êtes comme ça. Pour la Guinée. La Guinée n'est pas ton pays natal. Tu es un Malien. Et Burkinabé. Mfafi Radossi Sadi, tu as trahi le barreau guinéen. Tu as fait une sortie derrière. Que le dossier, je vais tout récupérer ces deux jours-là. Tu n'as pas contacté le barreau de Paris. Pourtant, tu as trompé professeur Alpha Condé à ne pas signer, à ne pas accepter la convention-là. Quand tu as quitté, Jibril aussi est venu. Jibril aussi a trahi le barreau guinéen. Il a fait des démarches là-bas, en coulisses, sans vous dire. Ce c'est l'ambassade qui vient sur vous. Tout sera étalé ici. Mais aujourd'hui, sincèrement, je vous parle, mais j'ai larmes aux yeux. En ce moment, les formateurs qui venaient, 10 et quelques personnes, pour vous former, ils ont formé des avocats, des policiers et des gendarmes. Mais Bala Samoura, colonel Bala Samoura, tu ne fais pas partir de ça, hein? Tu ne fais pas partir de cette formation. Toi, ton curriculum vitae, c'est tapissier. Tu n'as pas assisté à la formation brillante là. Il y a des policiers qui ont été formés, des gendarmes, des avocats. Leur formation se passait où? C'est à la Banque centrale. Si vous pouvez me démentir, sortez, je peux faire sortir la photo de vos jours de formation. Il y a des photos. Vous ne me connaissez pas jusqu'à présent. Quand moi je touche, venez seulement à me provoquer. Je reviendrai avec la force. Celui qui a pris l'or, Condé, comment il a quitté en Guinée? Comment il a quitté en Guinée? Le raffineur ne peut pas vous donner rien. Ils vont geler tout. Tout sera gelé. Parce que le gouvernement n'est pas élu par le peuple guinéen. Comment il est sorti en Guinée? Comment? Mamadi, comment il est sorti? Il n'y a pas de convention entre vous. Votre gouvernement, c'est un gouvernement potiche. Vous êtes bloqué partout. Le raffineur ne peut rien vous donner. Vous êtes des jantes. Parce que on donne l'héritage aux héritiers. Tu ne peux pas donner l'héritage à un autre fils d'autrui. Demain, que les héritiers viennent
Je vous donne des exemples que des héritiers viennent porter plainte contre vous. Raison pour laquelle tout est bloqué là-bas, à Belgique. Tout est bloqué. Maman m'a dit, tu es tombé dans un piège que tu ne peux plus t'en sortir. Il fallait écouter. L'ex-chef de cabinet, Keta, qui venait de Chozo, qui a quitté à Genève, a été nommé par vous-même, Mamadi Doumbouya, colonel de la colonel président de la transition guinéenne. C'est un agent, vous ne savez pas. Voir un être humain devant vous, cherchez d'abord à le connaître. Cherchez d'abord à le connaître. Pourquoi je vous dis tout ça là? C'est pour vous donner des leçons. C'est pour vous donner des leçons. Tu tombes toujours dans les pièges, ni tes jours, maman dit. Le premier jour de notre conversation, ce que je t'ai donné comme l'idée, sauf ta maman qui peut te parler ce jour-là comme moi. Face à toi, maman dit Doumbouya, moi j'aurai toujours la tête haute. Je vous ai donné du conseil ce jour-là comme une mère, comme une sœur de même lait, parce que j'aime mon pays. Si c'est de l'argent, j'allais gagner avec professeur Alpha Condé. Et je vous dis aujourd'hui quelque chose que tout le monde doit se rassurer que c'est vrai. Si moi je prenais un seul jour le téléphone, demander au professeur Alpha Condé, je veux de l'argent, il allait me donner. Il n'allait même pas en parler à personne. Je vous dis ça aussi, c'est dans son comportement. Alpha parle, mais il y a des choses, si, sauf si vous l'accusez, il ne parle pas ça. Sauf si nous on fouille, on le fait sortir. Oui. Mais Amara est là-bas, tu cherches à voir les blogueurs pour leur calmer. Tu as poussé des idées, très bonnes idées. Mais là où c'est gâté, c'est ce que Amara a dit. Et maintenant, je vais faire rentrer ça dans les oreilles de tous les blogueurs et blogueuses. Ça là, c'est un exemple frappant pour toi. Que Amara est un poison pour toi. Ça, c'est une société de l'Ansana Kouyaté qui t'a gâté. J'ai maintes fois dit, professeur Alpha Condé n'a jamais été aimé par l'Ansana Kouyaté. Il n'a jamais été aimé. Pourtant, si l'Ansana Kouyaté se battait pour l'intérêt national, il allait être comme Alaï Seloudalin s'est calmé, comme Sidia s'est calmé. Mais lui, qu'est-ce qu'il cherchait? À couper même la tête du professeur Alpha Condé. Tous les dossiers qui sont sortis de la présidence, c'est le coup de ses envoyés. Maintenant, tu étais là, accusé Ali. Tes dossiers te disent que Ali se transforme, tu as tout mis sur Ali. Demande à Spartacus, quand il a pris les DSP, de quel côté il a mis dans sa poche, je peux te le dire. C'est lui qui faisait sortir les dossiers d'État derrière le président Alpha Condé. Il a tout remis à la office de Sarandaraba. Parce qu'il a été nommé ministère des Affaires étrangères, mais ses archives étaient là-bas. Tu n'as pas fait attention à ça.
Idi Amin, tu as vu ce que je disais? Professeur, j'ai dit ici que professeur t'a fait sortir de la Guinée. Il ne voulait pas te tuer. Il t'a fait sortir de la Guinée. Et là où tu étais sous surveillance. Vous êtes venu, le coup d'État s'est passé. Mais toujours vous cherchez à déchirer tout ce qui est couvert derrière lui. Comment l'ordinateur a été sorti en Guinée? C'est le secret. Comment les secrets d'État sont sortis? Pourtant, l'affaire Soumandou, Lansana Kouyaté fait partie de ça. Le business que Mamadi Doumbouya a piétiné, les Chinois ont quitté dessus en Guinée. Je viendrai. Donc les RPGistes cherchaient à comprendre que ceci l'ambassine contre personne. Et je vous annonce aujourd'hui, tous ceux qui m'ont insulté ici, Alpha n'a ordonné personne. Alpha, moi, il me respecte. Seulement, la seule partie de ma tête jusqu'au pied qui dérangeait Alpha Condé, c'est ma bouche là. Et j'ai toujours dit ça. Mais il me respecte. Je l'ai dit. Alpha est ma mine d'or à moi. Le jour qu'on ira te prendre, reste tranquille. On l'a trouvé dans la chambre. Juste 8 minutes. Ils ont fait sortir Alpha avec le respect pour aller à l'hôtel Riviera. Derrière, ça derrière. Les massacres arrosés, prendre la vie des fils d'autrui, les hommes pliés du professeur Alpha Condé. Les Mouiba, Jo Mouiba Kamara là. Ça, c'est les tueries de Aboulaye et Commando Faré. Déposez le film. Petit à petit, nous allons faire sortir un peu. Dans ces jours-là, nous allons faire sortir circuler encore. Attendez. Donc, Mamadi, il faut aller lire l'interview du professeur Alpha Condé. S'il le savait, tu étais lésonnel, il n'allait pas t'accepter. Mais être ethnocentriste, je suis malinqué, il faut être malinqué. Je suis soussou, le gouvernement doit être soussou. Je suis forestier, il faut mon entourage soit forestier, soit peuple. Finir toujours par l'échec. C'est là-bas ils ont mis la corde sur ton cou. C'est Lansana Kouyaté qui t'a égorgé vivant. Lansana Kouyaté, Kabine Kumara, Idi Amin et l'ex-premier ministre Mohamed Biavogui, c'est des amis de longue temps. Presque 30 ans, 31 ans. Que tu dois comprendre à connaître. Moi-même, ma soeur, mon frère, le même lait. Je ne le regarde pas parce qu'on sort du même ventre. On porte le même sang. On a été le même sein. Je cherche à te connaître. Nous sommes au 21e siècle. Je cherche à connaître ton idée, ton sentiment d'humanité. Je cherche d'abord à connaître ça. Mais Mamadi, quand je dis il y a beaucoup de joie, de folie qui trimballe les êtres humains dans les erreurs, toi, c'est la folie du pouvoir qui t'a trimballé. Tu n'as pas fait attention
ceux qui pouvaient tout corriger, montrer même aux mandingues ce que tu as fait, qui pouvaient corriger, c'est les deux personnes, c'est les enfants-là que tu as arrêté. Sinon, tout allait corriger. Et prenez les Guinéens de même mère, même père. Ils sont venus te mettre dans les problèmes. Depuis que Alpha Condé est venu au pouvoir, l'ensemble de Yaté ne veut que ça chute. C'est la même ceinture qui est prise contre toi aussi. Mais Amadi, ta chance, c'est de garder Ali et le garder en sécurité. Sinon, passe toi seulement. Elle va mal se tourner. Il faut le sécuriser. Il faut bien le sécuriser. Le test d'empoisonnement aujourd'hui, c'est de cracher sur l'eau. Même pas, tu peux faire sur ta peau même. Oui. Maintenant là. Pourquoi Bachili ne parle pas, le Malien qui a construit une belle villa à Kibé, Dadia, jusqu'à ce qu'il a mis piscine, la piscine à eau. C'est eux qui ont pris 100 millions d'euros avec le professeur Alpha Condé pour électrifier toute l'étendue du territoire, avec là où il n'y a pas de lumière, pour parler panneaux solaires. Lui et Papa Koulé Kourouma, qui a son avion personnel. Pourquoi lui ne passe pas à la CRIEF, lui et Papa Koulé Kourouma? Billahi, Wallahi, Tallahi, Mamadi, ton premier ministre là aussi, le piège là aussi te prendra, va arracher tes dents dans ta bouche. Tu kini kini na matro, moi ma fille bébé, fala fille, m'en ravido, le pays qui s'indigne.